Je suis, on va dire, énergéticienne de l'habitat. Je travaille avec les principes du feng shui. J'agence les espaces de façon à ce que les gens se sentent bien et je nettoie aussi les énergies au niveau des personnes et puis des lieux. Voilà mon travail. Est-ce que le feng shui peut nous permettre de mieux vivre ces instants qui ne sont pas simples, le moment de confinement? Bah oui, oui, ça peut être un outil assez appréciable par ces temps-ci. Ce que j'ai envie de dire là, c'est qu'actuellement, on est rentré dans la troisième semaine de confinement. Je pense qu'on est dans la deuxième phase, en fait, du confinement, hein. Si je me réfère un peu à la numérologie, on devrait en avoir jusqu'au début mai. Mais on sent très nettement qu'on n'est plus dans la première partie où on était dans un petit peu la découverte des lieux, la découverte de ce qu'on allait y faire, s'initier à ces différentes choses. Là, on sent maintenant qu'on rentre, on est en plein dedans, en fait. Alors, c'est intéressant d'en avoir conscience parce que justement, ça va nous permettre de trouver les ressources en nous. Pour pouvoir tenir, pour pouvoir affronter cette période-là. Maintenant, on est en plein dedans. La troisième phase, la troisième période, ce sera plus un moment où on va commencer, on sentira que déjà on va vers la fin et on commencera à clôturer certaines choses, on sentira que ça ira plus vite, que ce sera plus fluide. Mais là, vraiment, là, on rentre dans une période pas facile. Alors, il y a quelques petites stratégies qu'on peut mettre en place, ouais, pour trouver un bien-être chez soi, ouais, des petits conseils feng shui. Et justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour mettre tout ça en place et mieux vivre ces moments? Alors, moi, je dirais la priorité. Ça va être déjà d'arriver qu'on habite un petit espace ou un grand espace, qu'on arrive à réserver à chacun des zones de tranquillité, des zones où chacun va pouvoir s'isoler, soit pour faire quelque chose, soit pour rien faire. Ça va être important. Maintenant, si on n'a une seule pièce, un studio par exemple, ben on va essayer de sectoriser par zone. On va pas mélanger les activités. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir un coin dans la pièce ou un coin dans la maison réservé, par exemple, au travail informatique. Il pourra y avoir un autre coin qui sera plus réservé aux jeux avec les enfants, un autre un espace méditation, on peut imaginer des tas de choses, un autre un endroit où les gens vont pouvoir communiquer et échanger entre eux. On va créer des zones dans l'espace. On va créer des zones. Ensuite, une fois que ces zones sont créées, là, on va libérer les zones de circulation. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'elles ne soient pas encombrées. Alors, bien sûr, on va essayer de mettre un peu de souplesse dans cette pratique-là. Il ne faut pas non plus être dans la tyrannie et rigide. Mais en règle générale, il faudra, à la fin de la journée, recréer cet espace, le ranger et le recréer de façon à ce que le lendemain matin, quand on va se réveiller, qu'on va rentrer dans cette zone, dans cette pièce à vivre là, entre autres, eh bien, on se sent prêt pour une nouvelle journée toute fraîche avec plein de choses à faire et qu'on ne soit pas déjà à commencer la journée en se disant mince, il y a la table à repasser, à ranger. Il y a le camion du petit, il y a les jouets. Voilà, c'est une rigueur qu'il va falloir mettre en place, j'ai envie de dire, tous les soirs, tous les jours. On va créer ces zones-là, peu importe, bah, peut-être momentanément, on va aller lire dans la salle de bain. Ou momentanément, eh ben, on va mettre l'ordinateur portable dans la chambre. L'important, c'est de permettre à chacun d'avoir une zone à lui. Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est ça peut être intéressant de profiter de ces temps-là pour faire des choses qu'on faisait pas auparavant. Et on a toujours dans la maison des petites choses. On se disait, bah tiens, ça je ferai quand j'aurai le temps, et puis on le faisait pas.
Ça peut être réparer la serrure, réparer la fuite d'eau du robinet, ou peindre un mur, etc. Là, maintenant, on a le temps. Donc, on va profiter de ces moments-là pour s'occuper de la maison, parce que les maisons, elles aiment bien être bichonnées aussi, elles aiment bien qu'on s'occupe d'elles. Donc, c'est ces moments-là que vous allez accorder, ces petits soins que vous allez accorder à votre maison, c'est comme si ce sont un peu de l'amour et de l'affection que vous allez vous apporter à vous-même aussi. Et voilà, ce sera chouette après quand le confinement sera terminé. Tout sera prêt, tout sera arrangé parce que c'est aussi un peu. On stocke souvent des affaires dans des cartons, dans des meubles, etc. C'est le moment de s'occuper de tout ça, de faire du tri. Mais toutes ces choses-là qu'on garde, qu'on stocke, en fait, c'est de l'énergie stagnante. Quand vous avez des énergies stagnantes dans un endroit, cela affecte une zone, voire des zones. Alors, il est tout à fait profitable d'organiser ces choses-là. On a le moment, on a le temps, donc on n'a plus d'excuses valables. Et j'ai envie de dire, ça peut être aussi intéressant de le faire avec d'autres membres de la famille. Parce que là, voilà, c'est les responsabiliser, c'est les valoriser aussi. Ce sera tellement plus facile pour vous, plus confortable, ce sera plus souple. Donc voilà, vous avez décidé de ranger le garage, demandez à vos ados s'ils peuvent vous aider dans ce travail-là. Ça peut être des moments sympas aussi, de partage sympa. Il y avait différentes choses que j'aimerais ajouter. Peut-être ce serait en lien avec la qualité de l'air. Autant ça va être important de ranger les affaires quotidiennement après l'activité, autant ça va être important aussi d'aérer. Voilà, aérer parce qu'un air confiné est lourd, chargé, aérer tous les jours. Voilà. Vous pouvez aussi diffuser des huiles essentielles si vous voulez, si vous avez des brumisateurs, par exemple l'eucalyptus, le cyprès, ça va apporter une forme de fraîcheur dans le lieu. Si vous choisissez des huiles essentielles, par exemple de mandarine, cannelle, ça va apporter quelque chose de convivial. Donc, faites attention à la qualité de l'air. Et aussi, peut-être, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que dans cette période de confinement, dans cette proximité, peut-être on sera amené à vivre quelques émotions, la colère, entre autres, ou la peur, etc. Évidemment, on ne peut pas nettoyer les énergies comme on le ferait si on n'était pas confiné. Mais déjà, si après une querelle, par exemple, une dispute dans la maison, passez l'aspirateur. C'est pas grand-chose, mais passez l'aspirateur et faites-le avec la conscience que, par exemple, vous aspirez les tensions, vous aspirez ces disputes-là qui sont encore dans l'air. Et ça marche vraiment très bien. Oui, vraiment, je vous invite à essayer, ça marche très bien. Alors après, moi, je travaille aussi le nettoyage des énergies, les choses un peu plus profondes, et puis aussi les nettoyages des énergies des personnes. Profitez de ces temps-là pour prendre soin de vous et peut-être venez nettoyer vos énergies. Moi, je travaille à distance à partir des photos et ça fonctionne très, très bien. Et c'est vrai que si vos propres énergies à vous, elles sont pures, elles sont lumineuses, vous allez rayonner différemment auprès des gens qui sont après de vous et puis dans la maison que si vous avez gardé plein de problématiques qui s'accumulent dans vos corps énergétiques. Oui, pensez à aérer et puis à nettoyer tout ça régulièrement.